Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment j'ai rangé mes diamants spéciaux. Voilà. Alors, comme vous savez, les diamants spéciaux, on n'a pas de référence dessus. Voilà Fifi qui vient dire bonjour. Fifi, viens dire bonjour. Oui. Donc, comme je disais, diamants spéciaux, on n'a pas de référence dessus. Il n'y a pas de référence DMC. Donc, c'est un peu plus compliqué pour pouvoir les classer quand il nous en reste. Et je ne savais pas comment les ranger. Donc, moi, les petits sachets restaient comme ça dans ma boîte, dans une boîte en vrac. Voilà. Et bon, et puis j'en avais un peu marre. Donc, comme je veux quand même les garder, au cas où, voilà, c'est toujours au cas où on en aurait besoin, ou qu'une copine en aurait besoin, ou que j'en aurais besoin pour une création, n'importe. Donc, j'ai trouvé mon astuce. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. Hein? Puis, bisous. Un bisou. Bisous. Un bisou. Un bisou, maman. Non? Même pas. donc, voilà. Je vais vous montrer mon astuce. J'ai déjà commencé un peu le rangement. Donc, je vais continuer un tout petit peu à vous montrer comment je fais. Donc, j'espère que ça va vous donner l'idée. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que moi. J'en ai pas vu encore. Voilà, je vais vous montrer ça et je vous explique en même temps. Voilà, donc là, je suis sur mon téléphone, on va changer. Je reviens sur la caméra pour que vous puissiez voir comment ça se passe. À tout de suite. Donc voilà, alors voilà la boîte, vous devez vous en rappeler, c'est une boîte que j'avais eue pour un partenariat. Donc c'est une boîte avec les petites boîtes Tic Tac, comme ceci. Voilà. Donc je me sers de ces petites boîtes. Et comme vous savez, donc comme je vous ai dit, ces perles n'ont pas de référence. Donc je ne pouvais pas mettre d'étiquette avec une référence dessus. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc là, les perles sont dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé sur le dessus une perle. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, moi je peux l'ouvrir sans problème et je le modèle de la perle sur le dessus de la boîte. Voilà, comme pour toutes les autres que j'ai déjà fait tout à l'heure, je vous montre. Voilà, vous voyez, donc j'ai déjà fait pas mal de boîtes. Alors malgré que c'est un peu épais, un peu plus épais, je sais très bien refermer ma boîte sans problème. Vous voyez, j'ai aucun souci. Voilà. Donc comment je fais? Bon, là c'est la boîte dont je me suis utilisé hier pour faire le hibou. Alors je vais regarder si j'ai pas déjà de perles de fête avec celui-là, de boîte de fête. Non. Donc je vais prendre une boîte. Hop. Donc j'ai juste à enlever le couvercle. Donc je vais mettre ça sur le côté. Alors je mets un papier en dessous parce que je vais utiliser de la colle. Alors j'utilise celle-là de colle. Voilà, c'est la colle à bijoux qui colle très très fort. Il n'en faut presque pas, mais alors ça colle vraiment très fort. C'est une colle pour bijoux, la Sulite.
Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez retrouver cette colle. Donc là, je vais garder une perle à l'extérieur. Je mets un papier sur mon bureau parce que je voudrais pas qu'il y ait de la colle dessus. Voilà. Je vérifie bien hein, que j'ai pas fait de boîte encore. Non. Donc voilà, mes perles sont dedans. Je prends ma pince, est-ce que je vais en avoir besoin? Je vais mettre un petit point de colle. Donc, pas là où ça se ferme, hein, surtout. Hop. Surtout pas de ce côté-là. Vous voyez, alors, hop, pas ce côté-là qui se ferme. Le côté fixe. Un petit point de colle, pas beaucoup. Je prends ma perle avec ma pince et je la fixe sur la colle. Ah, ben voilà, ça y est, je commence bien. Je tiens quelques secondes. Voilà. Et donc, ma boîte est faite et je sais ce qu'il y aura dedans. Donc, je vais en faire une autre. Alors, je pense que j'aurai pas assez de cette boîte-là. Il faudra que je voie. Mais bon, je reprendrai une autre boîte plus tard. Alors celle-là, est-ce que j'ai déjà fait une boîte? Non, donc c'est bon. Je vais déjà mettre le chapeau, hop, comme ça je gagne un peu de temps. Je fais mon petit point de colle. Je prends ma perle. Donc, quand je viens de les coller, je ne les mets pas tout de suite dans la boîte, hein, j'attends que ça sèche. Voilà. Et mes perles sont dedans. Et donc au fur et à mesure que j'aurai des perles comme ça, je rajouterai dans la boîte. Donc ici, ce sont des violettes, je n'en ai pas. Donc on va en faire une boîte. Donc bon, je ne vais pas tous les faire hein, parce que... Mais vous avez compris le principe, je pense. Donc je garde une perle toujours. Voilà. Et au moins comme ça, mes perles sont bien rangées. Et je vais retrouver tout de suite les perles dont j'aurai besoin. Alors, je vais vous montrer des autres perles. Voilà. Alors, je vais vous montrer un modèle de perles avec lequel je ne peux pas faire ça. Alors, elles sont où? Alors bon, quand il m'en reste qu'une comme ça, par exemple, là, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien.
Et comme là, il m'en reste qu'une aussi, donc je ne vais pas user une boîte pour une perle. Ah, voilà, elle est grande. Voilà, ici. Vous voyez, elles sont très grandes. Et je vais vous montrer que ça... Bon, là, c'est pareil, il m'en reste que deux, donc c'est pas grave. Je ne vais pas faire une boîte pour deux. Mais s'il m'en avait resté beaucoup plus, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, si j'en avais eu beaucoup plus, ça ne pouvait pas aller sur la boîte. Ça dépassait. Voilà. Donc, les grandes comme ça, bon, là, je n'aurais pas pu coller dessus, par exemple. Bon, j'aurais mis dedans, mais je n'aurais pas pu coller dessus. Ou les grandes comme ça, je les laisse en sachet. Voilà. Ça, c'est pas grave. De toute façon, des très grands comme ça, c'est très rare qu'il nous en reste beaucoup à la fin d'un kit. Donc, c'est pas très, très grave. Alors, ici, alors, ça, des jeunes comme ça, je ne crois pas que j'en ai déjà fait. Je vérifie. J'ai fait des toutes petites. Moi, bon, elles étaient blanches. Alors là, c'est des toutes petites. Voilà, je vais en prendre une. Voilà. Toute petite petite, c'est une goutte d'eau, mais elle est en minuscule. Vous voyez, ah, il y a la petite, même là, je sais pas si vous la voyez. Donc là, il ne faut pas vraiment pas mettre beaucoup de colle parce que la perle est vraiment minuscule. Alors, de temps en temps, au bout d'un moment, ça se bouche. Voilà. Même là, je crois que j'ai mis trop de colle, mais bon. Je sais pas si vous allez voir, voyez, c'est vraiment minuscule. Voilà. Alors, voyez, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Allez. Voilà, alors ici, par exemple, le numéro 7, pardon, j'étais hors champ, j'en ai déjà fait. Alors, le numéro 7, c'est celle-ci, les blanches, les demi-perles blanches. Donc là, j'ai juste à l'ouvrir, voilà, et je vais remplir ma boîte qui a déjà des perles dedans, voilà. J'en ai mis à côté. Et voilà. Donc là, j'ai remis des perles que j'avais déjà. Ah, il m'en restait une. En plus, c'est des boîtes qui se ferment vraiment bien, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, je pense que vous avez compris le système. Allez, je vous en fais encore un. Je vous fais surtout les grands, c'est plus facile à voir. Alors là, c'est du... Ah, celle-là, je crois que je l'ai faite, attendez. Non. Je l'ai faite, mais plus grande, oui. Oui, non, elle n'est pas faite, celle-là. Donc, je vais faire une boîte. Donc, hop, on met dedans. Mon petit point de colle. Allez, ça.
Et voilà, une nouvelle boîte de fête. Et après, j'ai toutes les strass. Donc là, les strass, j'en ai qui sont faites également. Je vais vous montrer. Voyez, toutes les petites perles ici, toutes les strass. Donc là, ce sont les... Ah, viens là, toi. Les demi-bleus. Bon, là, c'est parce qu'il manque des boîtes dedans. Donc ça tombe. Les demi-blanches que je viens de vous montrer. Voyez, là, les strass orange. Voilà. Et à chaque fois, je mets une petite perle dessus. Voyez, j'essaie de vous montrer. C'est parce que j'ai peur que ça floute trop. Voilà. Oui, je colle toujours le petit strass. Et donc là, j'ai eu plusieurs sachets que j'ai mis dedans. Et donc après, quand j'aurai tout fini, je vais essayer de les classer. Donc là, j'ai déjà commencé par les petits strass. Après, il y a les... Alors, il y a un petit strass encore là. Là aussi. Voilà. Après, j'aurai là, les strass un peu plus gros. Donc, je vais la classer. Les gouttes d'eau, etc., etc. Je vais essayer de les classer par forme. Voilà. Donc là, bon, j'en ai encore pas mal. Hein. J'ai encore pas mal de sachets, voyez, à trier. Là, j'en ai encore là. J'en ai encore pas mal derrière. J'ai des boîtes que je dois trier. Voir que si c'est bien les mêmes couleurs. Et pouvoir les mettre dedans. Voilà. Là, maintenant, ils sont secs. Ce que je viens de faire avec vous, donc je peux les remettre dedans. Je vais remettre à l'endroit. Je fais un Tetris là. Je suis en train de faire un Tetris. Parce que je voudrais mettre les boîtes vides ensemble. Voilà. Ah, je mets à l'envers. Voilà. Donc voilà les boîtes qui sont faites pour l'instant. Donc là, vous voyez, il m'en reste 4, 4, 8, 8, 8, 16, 17, 18. Il me reste 18 boîtes. J'ai quand même encore pas mal de couleurs à faire. Donc je sais que j'en aurai pas assez. Mais bon, c'est déjà un premier rangement. Et au moins, une fois que c'est fermé, après, ben, ça bouge plus. Hop, voilà. Ça risquera pas de bouger. Et si je remets une deuxième boîte, je pourrais la mettre au-dessus. Voilà. Donc voilà. Bon, c'était pas une très longue vidéo. Mais au moins, j'espère que vous aurez vu et compris mon nouveau rangement. Donc pour ces strass spéciaux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est une bonne idée. Je cherche le bouchon de ma colle parce que sinon ça va couler. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée. Dites-moi également bah, comment vous rangez vos diamants spéciaux, si vous les gardez, si vous les gardez pas. Voilà. Là, quand j'aurai fini ma boîte entière, je vous remontrerai peut-être, enfin peut-être, oui, très certainement.
Et dès que j'aurai une deuxième boîte, puisque je vous dis, je pense très certainement que j'aurai besoin d'une deuxième boîte, je vous montrerai également la suite de mon rangement. Voilà. Voilà, donc je me remets devant vous. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, elle n'a pas été très longue, mais bon, j'espère qu'elle aura été assez claire dans ses explications pour vous. Donc voilà, je vous remets la petite boîte, vous voyez. Donc vous voyez, là, je peux la bouger, il n'y a plus de danger. Les perles ne vont pas tomber. Donc vous voyez, derrière, on voit déjà toutes les perles que j'ai mises. Et ça, non, malgré que j'ai collé des perles dessus, il n'y a aucun problème pour fermer la boîte. Vous voyez? J'ai aucun souci. Voilà. Bah écoutez, j'attends vos commentaires sur cette petite vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement. À bientôt. Bisous, bisous.